Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Vous avez vu ça? Ouais, une dameuse miniature télécommandée. Oh mince, je voudrais tant que cette miniature soit une vraie. Wow, regardez ce que c'est. C'est une vraie dameuse. Aujourd'hui, vous et moi, nous allons tout apprendre sur les dameuses. Allons-y. Maintenant, découvrons les parties extérieures de la dameuse. Venez! Waouh! Regardez ça! Ce truc ici, c'est la lame. Comme un bulldozer. Ça pousse tout et n'importe quoi. La neige est repoussée. Oh! Regardez-la marcher! Wow! Vous avez vu ça? C'était trop bien! La lame est actionnée grâce à un système hydraulique. Regardez ça! Wow! Voici le système hydraulique. Il y a le piston hydraulique, le cylindre hydraulique. Wow! C'est puissant! Oh! Les commandes du système hydraulique sont dans la cabine. Oh! Ça a l'air cosy là-dedans. Ouh, mais tout d'abord, quand on est dehors dans la neige, il neige et on ne voit rien. Pour y voir, on a besoin d'essuie-glaces. Waouh, regardez ça. C'est un énorme essuie-glace. Wow. Comme dans une voiture. Regardez-les. Ok, maintenant, on peut voir en conduisant. Oh, et là-haut, ce sont les phares. Eux aussi nous aident à voir. Ils s'allument et s'éteignent. Waouh! Ils sont très puissants. Waouh! Regardez ça là en bas. Ça, ce sont les chenilles. Waouh! Elles vont dans la neige et la glace. Et comme ça, on ne risque pas de glisser. Wow! Et ici, c'est le moteur de la niveleuse. Wow! Il génère une énorme puissance. Et par là, c'est là qu'on met le carburant. Ouais! Diesel, pas d'essence. Wow! Regardez ça! Wow! Ici, derrière, c'est la fraise. Vous voyez ça? Là, c'est le rouleau avec de nombreuses dents. Il casse et broie la glace et la neige. Et puis ensuite, le peigne. Vous voyez ça? C'est un peigne. Avec ses petites ondulations, il crée un effet de velours côtelé. Oh, ça lisse la neige. Ok, alors maintenant, on va faire marche arrière. Et ensuite, on va lisser la neige. Regardez! Regardez comme la neige est lisse. Waouh, du velours côtelé. Vous voyez ces lignes? Waouh. Ça donne envie de s'allonger dessus.
regardez où on est. À l'intérieur de la dameuse. Oh, fermons la porte. Très bien. Première chose, la sécurité avant tout. Oui, comme dans tout véhicule, voici la ceinture. Il faut l'attacher. Très bien, maintenant que je suis attaché, je vais vous montrer différents éléments. Oh ! Regardez ça ! Vous voyez ces deux manettes ? Ce sont les leviers des chenilles. Ça permet d'avancer ou de reculer, et puis d'aller à gauche et à droite. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un joystick ! On se sert de ça pour contrôler la lame et la fraise à l'arrière. Wow! C'est comme ça que ça fonctionne! Wow! Ouais, regardez! La clé de la dameuse! La clé est un élément très précieux. Lorsqu'on a ça, on peut la mettre dedans et démarrer. Prêt? Oh! Vous avez entendu? Ouais! Le moteur ronronne! Comme un petit chaton. Très bien, vous êtes prêts? C'est parti! Super fun à conduire! Très bien, maintenant je vais reculer! Soyez prêts! Maintenant je vais faire avancer la dameuse super vite! Maintenant, on conduit la dameuse ou on opère la dameuse. Opérer la neige. Waouh, c'est super fun à opérer. Ouh, vous entendez le bip bip? Ça veut dire qu'on recule. Il faut bien regarder derrière lorsqu'on recule un véhicule. Wow! Ok, en avant! Wow! Vous voyez ça? C'est avec ça que je conduis, que j'opère la dameuse. Là, on opère les chenilles pour se diriger à gauche ou à droite. Wow! Wow! Oh! Maintenant, nous sommes dans le garage de la dameuse. C'est là que l'on répare la dameuse. Waouh, vous voyez la cabine? Ouais, on la bascule en avant pour pouvoir accéder au moteur. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Mais avant, je veux vous montrer tout ce qu'il y a ici. Waouh, on peut réparer tous les engins ici, comme celui-ci. Super cool cet engin tout-terrain. Regardez ça! Wow! Ok, c'est parti! Oh oh oh! C'était excellent! Wow! Très bien! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Oh! Regardez ça! Vous voyez, ça... C'est une souffleuse à neige. Wow!
Vous voyez ses dents? Elle tourne sur elle-même, ce qui entraîne la neige vers l'arrière. Et puis ça fait... Très bien, on le remet à sa place. Oh, très bien. Qu'est-ce qu'on répare d'autre ici? Regardons... Oh, cool! Un trois roues! Oh! Oh! Regardez ça! Une à l'avant, une à l'arrière, et une seconde à l'arrière! Ouais! Une, deux, trois roues! Waouh! C'était super fun! Un autre engin! Cet engin s'appelle une motoneige! Et il est de couleur bleue! On dirait qu'il est en panne! Vous voyez? Le moteur est démonté! Vous voyez cette pièce là-bas derrière? C'est là qu'il répare les motoneiges! Venez! Regardez cet endroit! Waouh! Il y a une tronçonneuse ici! Ah! Et un souffleur de feuilles! Oh! Je le mets sur le dos! Oh! 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 Waouh! Oh! Oh! Hey! C'est ce que je disais! C'est là qu'il répare les motoneiges! Oh, celui-là a l'air très vieux, probablement cassé. Mais bon, ils s'en occuperont plus tard. Allons par là. Oh! Une autre motoneige! Oh! Celle-là est de couleur orange et jaune. Excellent! Waouh! La couleur rouge! Wow! C'est un rouge vif avec du jaune. Attendez un peu. Inflammable, tenir à l'écart des flammes. Oh, sortons d'ici. Oh, oh, on a bien fait de sortir de là. Oh, oh, un autre engin. Waouh, c'est... Ouais, c'est un chariot élévateur. On utilise les fourches là-devant pour faire monter, oui, les très grosses palettes. Oh, quel super engin! Très bien, et maintenant, allons voir la dameuse et le moteur de la dameuse. Ouais, ce qui génère toute sa puissance, venez! Vous vous souvenez quand je vous parlais des chenilles? Ouais, elles sont très glissantes. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre du contreplaqué dessus. Comme ça, on pourra monter dessus en toute sécurité. De contreplaqué. Maintenant, nous allons monter sur les chenilles. Wow! Très bien, ça c'est fait. Waouh, vous voyez ça? Ça, c'est le moteur de la dameuse. Waouh, c'est ici qu'est générée toute la puissance. Oh, et vous voyez ça? C'est le réservoir à fuel. C'est là qu'est stocké tout le diesel. Pour alimenter le moteur. Allons voir l'arrière. Wow! Vous voyez l'arrière? Ce sont les réservoirs hydrauliques. Voici les pompes hydrauliques et tous ces tuyaux sont des tuyaux hydrauliques. Oh, regardez! Wow! On a des batteries, des filtres à huile, des filtres à fuel, et enfin, n'oublions pas... Ouais! L'échappement! Ouh! Oh!
fun de découvrir les dameuses avec vous! Eh bien, voici la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom! Vous appelez mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Très bien! Venez les amis, apprendre c'est génial! Aujourd'hui, on est au Las Vegas Mini Grand Prix! Ouh, regardez ça! Ce sont des cartes! Et ça, c'est un kart vert! Là, c'est un kart rouge! Et ça, c'est un kart bleu! Je suis trop excitée! Regardez bien ces deux cartes. Ce sont mes deux couleurs favorites. Ce kart-là est de couleur orange. Et ce kart-là, oui, est de couleur bleue. Là, c'est l'heure pour moi de vous montrer toutes les parties du kart. Donc, oh, hey, regardez ça! Oui, c'est bien un kart! La première chose sur les kartes, c'est que tous les kartes ont quatre roues. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle une roue. Elles sont toutes petites! Trop mignon! Ici, c'est donc la première roue. Ça, c'est la deuxième roue de ce kart. Par ici, c'est la troisième roue du kart. Et ça, c'est la dernière roue du kart. La quatrième roue du kart. Waouh ! Regardez ça ! Ouais ! Ça ! Ça, c'est le pare-choc. C'est une sécurité. Ça protège quand on fonce dans quelque chose. Comme ça ! Waouh ! Très bien. Regardez ça, derrière. Ça, oui, ça, c'est un aileron. Ils mettent des ailerons sur ces cartes et sur les bolides. Ça les force à rester au sol et ça rajoute genre 3 millions de chevaux au véhicule. Waouh, c'est vite ça. Regardez là. Ça, c'est le moteur de notre carte. Il y a le filtre à air, la bougie, le silencieux, l'huile et trop plein d'autres choses. Bien, pour que le moteur développe toute sa puissance, il a besoin d'essence. Un peu comme vous et moi, de manger. Le kart mange également. Ouais, enfin juste ici, c'est le réservoir. Et juste ici... ouais, juste ici, c'est le réservoir. Waouh ! Je crois que vous et moi... On va le remplir. Nous allons faire le plein d'essence de ce kart. On enfile un gant de protection. C'est parti! Waouh! Très bien. On met l'embout ici. Verse. Wow! Wow! Très bien. Je crois qu'il est bien rempli là. On revisse bien le bouchon, voilà, bien serré. Et puis, on tourne le bouton sur « On », juste là. Puis, tout ce qu'il reste à faire, c'est tirer la ficelle. 3, 2, 1 ! Un peu plus fort cette fois. Encore plus fort. Ouais, bien joué ! Wow ! Très bien.
Donc, ça ici, c'est le siège du kart. C'est là que le pilote, oui, moi, vous, c'est là qu'on va s'asseoir aujourd'hui. Alors, on s'assoit. Wow! Hey, je crois que j'aime ça. Ok, mais tout d'abord, quand on pilote un kart, oui, sécurité d'abord. On va mettre notre ceinture. Comme dans n'importe quel véhicule, tous les véhicules, il faut mettre sa ceinture. Très bien. Et voilà. Oh, là en bas, vous voyez? La pédale de frein. C'est là qu'on appuie pour s'arrêter. Oh, oh, oh. Et cette pédale juste là, oh, c'est, ouais, l'accélérateur. C'est pour aller vers l'avant ou l'arrière. Et là, ça, c'est le volant. Oh, c'est pour faire tourner le kart. C'est parti! Faire du kart, c'est vraiment fun! Le truc cool avec les karts, c'est qu'il y en a plein de différentes sortes, comme ceux qu'on vient de voir. Et puis, et aussi il y a ceux-là! Venez voir! Regardez ça! Ce kart-là est tout petit! Oh, c'est drôle! Oh, il y en a un par ici, juste pour vous et moi! Waouh! Ouais, ce kart vert, il a l'air super chouette! Très bien, on va le démarrer. Donc, vous vous souvenez, on enfile le gant, et puis on tire d'un coup. Ouais! Wouhou! Le truc cool avec ces petits karts, c'est qu'à partir de 96 cm, eh bien, on peut les conduire. Wow! Oh! Et croyez-moi, je fais plus de 96 cm! Donc, tout d'abord, oui, sécurité avant tout. Il faut mettre sa ceinture. Oh, 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 bien serré. Très bien, maintenant l'accélérateur. C'est parti. Oh, wow. Vous avez vu ça? C'est un crash! Et comme les karts ne vont qu'en avant, il faut utiliser cet outil quand on rentre dans un truc, parce qu'on ne peut plus avancer du tout. Vous voyez? C'est comme une sorte de barre avec un crochet au bout. Waouh! Ok, regardez ça! On l'accroche là-dessous, on tire un peu dessus. Waouh! C'est super lourd! Bien! Ouais! Là, on peut repartir à nouveau. C'est parti! Wow! C'était super fun de faire un tour dans ce kart! Waouh! Oh! Mais je crois que c'est le moment parfait pour aller dans le grand kart! Waouh! Oh oui! Waouh! Oh, regardez ce que c'est! Waouh! Ça, c'est un grand kart pour enfants! Ouais! Il est très puissant! C'est super puissant! Il a même été importé depuis la France! Oh, regardez ça là en bas! Ouais! C'est un kart avec des phares à LED et à l'arrière! Et même des feux arrière! Vous les voyez? Et quand on appuie sur le frein... Oui! Il est même équipé de feux stop! Wow!
Ce kart est tellement puissant qu'il faut avoir au moins 16 ans et un permis de conduire valide. Tant mieux pour moi, j'ai les deux. Oui, ça veut dire qu'on peut le démarrer. Donc, on pousse le bouton et on tire là-dessus. Wow! Il a l'air d'être bien puissant, lui aussi. Donc, on s'assoit dans le siège et on accroche sa ceinture parce qu'il est trop super puissant. Oh! Ah, je suis un peu nerveux, mais ça va être trop super fun. Très bien. Vous êtes prêts? C'est parti! Oh! Wouhouhou! Ce kart-là va trop vite! Wouah! C'était super fun de découvrir tous ces cartes avec vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Oui, Blippi. On l'épelle ensemble. Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Très bien, à la prochaine. Bye bye. Venez les amis, apprendre c'est génial. Apprendre, il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi! Hey! C'est moi, Blippi! Et aujourd'hui, je suis au défi Trampoline Park de Tom Water, Washington! Oui! Vous avez vu? J'ai bien tout prévu avec mes chaussettes adhérentes! Oui, elles me permettent de ne pas glisser! Je crois que ça va être super fun parce que vous et moi, nous allons apprendre tout l'alphabet. Oui! Waouh! Regardez cet endroit! Ah, c'est vraiment génial! Hey! Dans génial, il y a la lettre A! Ouais! Ouh! C'est vraiment trop fun de sauter dans les airs! Ah, attendez une seconde! R! Ouais! R! Commence avec un A! Ouais! Wouhou! Regardez! Je bondis dans les airs! Bondir! Bondir commence par la lettre B. Ouais! A, B. Wouhou! Wouhou! Et voilà! Wouhou! Wouhou! Ah, vous avez vu? C'était un backflip! Un salto arrière! Oui! Wouhou! Backflip commence par la lettre B. A, B. Oui! Regardez! Ça, c'est un ballon de basket noir. Ballon et basketball commencent par la lettre B. Oh! Je fais du basket. Basket, ça commence par la lettre B. Waouh! Ah, je commence à être fatigué. Ah, je vais crapahuter. Ah, oui, je crapahute. Hey, crapahuter, ça commence par un C. A, B, C. Ouais, C, c'est la prochaine lettre. Ah, wow. Hey, je joue à faire le chat maintenant. Miaou, 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 miaou.
chat commence par la lettre C. Ha ! Wow ! Wow ! Regardez cet endroit, par ici ! C'est l'espace de dodgeball. Wow ! On dirait qu'il y a deux concurrentes dans l'espace de dodgeball. Dodgeball commence par un D. C'est comme le ballon prisonnier. Ah! Wow! Oh! On jette les balles sur les gens. Oh! Ok, c'est parti! On y est! On dirait bien qu'elle joue double. Wow! Double! Commence par la lettre D. Wow! 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 Et voilà, encore d'autres balles pour vous! Wouhou! J'esquive ces balles! Allons-nous-en de là! Wow! Alors, on a appris les lettres A, B, C et D. Ce sont les quatre premières lettres de l'alphabet. Ouh! 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 Ouah! Quoi? Là, je m'amusais à faire comme un aigle. Aigle finit par la lettre E. Ouh! 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 Pouvez-vous trouver un autre animal qui contient la lettre E? Oh, je peux! Un qui est très gros et gris, avec une trompe et des défenses. Éléphant! Éléphant, ça s'écrit avec la lettre E. Wow! Ce parc de trampolines est super fun! Wouhou! Hey! C'est notre prochaine lettre! F! Oui, fun commence avec la lettre F! Wouhou! Très bien! Je vais tomber dans la fosse à mousse! Fosse et fun commence par la lettre F! Ah, c'était fun! Oh! Très bien, je vais aller par là, au mur d'escalade. Hé, hey, regardez! Un mur d'escalade, juste là. Je vais me servir de mes mains et de mes doigts pour agripper les prises. Hé, hey, agripper contient la lettre G! Wow! Oui! Comme si j'étais un gorille! Ça, c'était fun! J'adore jouer à l'animal! Hey! En parlant d'animal, les gorilles, ils s'accrochent! Oui! Hey! Je m'accroche! S'accrocher contient la lettre H! Ah! Ça, c'était super fun d'apprendre toutes ces lettres avec vous. Hey! Hey! Regardez ça! On dirait une main! Wow! Ouais! Hand, main en anglais, commence par un H. Ça a été super fun d'apprendre toutes ces lettres avec vous. Hey! On va récapituler. Pour l'heure, on connaît A, B, C, D, E, F, G et H. Ok, quelle lettre vient ensuite? I. Oui, j'adore être ici. Wouhou! Oh. Il commence à faire bien chaud. Il me faudrait des glaçons. Ouais. Ça me rafraîchirait. Ou un igloo. Un J pour je saute. Wouhou! Oui! Très bien. Oh! Wow! Hey! Il y a d'autres mots qui commencent par la lettre J. C'est jongler. C'est pas simple avec ces cubes. Mais j'essaye.
Wow! C'était génial! Hé! Hey, allons voir ailleurs! Je me comporte comme un animal! Pouvez-vous me dire de quel animal il s'agit? Je me comporte comme un kangourou! Kangourou! Ça commence par la lettre K! Wow! Et regardez! Cerf-volant en anglais, c'est kite! Oui! Kite commence aussi par la lettre K! Et frapper se dit kick! Boum! Ah! Je frappe ce cube en mousse! Très bien! Oh! Oh, oh, oh! Hey! Attendez une seconde! La prochaine lettre résume très bien à quel point j'aime cet endroit. L. Love, c'est aimer. Haha! Je suis tellement heureux d'être ici! Oh, oh, oh! Vous aimez quelque chose? Peut-être vous aimez vos frères et sœurs. Peut-être aimez-vous les légumes. Peut-être aimez-vous vos parents. Peut-être aimez-vous bien les glaces. C'était trop super fun d'apprendre l'alphabet avec vous. Ok, on refait. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et la prochaine lettre, c'est M. Envoie la musique! J'adore la musique! Mon corps se met en mouvement! Oh! Oui! Hey! Il faut que je vous parle de quelque chose de très sérieux. Les adultes m'ont dit... Ils m'ont dit des choses sur vous. Ils m'ont dit que vous étiez très gentil. C'est la prochaine lettre. Je suis si fier que vous soyez gentil avec vos familles et vos amis. Ouais, bien joué d'être gentil. Très bien. Maintenant, c'est l'heure pour moi de sauter. Wouhou! Ha ha! Wow! Wow! Oh! Oh! Non! Je suis coincé! Je suis pas capable de sortir de là! Non! Non! Très bien! Et voilà! Réussi! Oh! Oh! Si seulement j'étais un octopus, j'aurais sûrement pu me sortir de là bien plus vite. Parce qu'ils ont 8 longs bras ou tentacules. Waouh! Wouh! Octopus commence par la lettre O. Ok. Vous avez déjà mangé une olive une fois? Ouais! Certaines sont noires et d'autres vertes. Et olive commence par la lettre O. Olive à biscuit. Olive à biscuit. Olive à biscuit. Olive à biscuit. Plépé, plépé. Oui, je suis un perroquet. Oui, perroquet. Commence par la lettre P. Hey, je voulais juste dire merci de rester positif. Être positif, c'est vraiment très important. Positif. Ouais. C'est très agréable d'être avec des personnes positives, comme vous. Positif et personne. Ça commence par la lettre P. Wow! En parlant d'oiseaux, un de mes oiseaux favoris a un petit truc là au-dessus. Oui, un peu comme ça.
Vous voyez de quel oiseau il s'agit? Oui, c'est une caille. Une caille. Oh, c'est trop mignon. Elles font des petits bruits. Oui. Je vais faire une petite balade, comme une caille. Je suis revenu là en quatrième vitesse. Hey, quatrième, ça commence par la lettre Q. Ouais, Q, c'est une lettre intéressante. Ok, on récapitule tout ce qu'on a appris jusque-là. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ouais, on a vu toutes ces lettres. Et on a récapitulé. 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 Ça commence par la lettre R. Oui, c'est la lettre suivante. R. Hé, qu'est-ce que c'est? Wow! On dirait une rampe. Regardez. Rampe, ça commence par la lettre R. Wow! Venez en haut. Wow! Hey! Vous vous souvenez de cet endroit? Oui, il y a des blocs de mousse rouge. Et rouge commence par la lettre R. Et... wow! Une corde! Wow! Oui! Wow! Ah, c'est génial! Corde, rouge et rampe contiennent tous la lettre R. Venez par là! Wow! Regardez! Comment dit-on balançoire en anglais? Balançoire, c'est swing. Oui, swing commence avec un S. C'est bien la prochaine lettre de l'alphabet. Ok, là, je vais m'asseoir dessus. Oui, s'asseoir. Très bien. C'est parti! 3, 2, 1! Wow! Oui! Oui! Wow! Regardez! Ça, c'est un trampoline. Hey! Trampoline, c'est notre prochaine lettre. La lettre T. T comme trampoline. Regardez! Là, je ressemble à la lettre T maintenant. Mes bras font le dessus du T. Mes jambes, elles font le dessous du T. C'est trop drôle. Wow! Pouvez-vous dire quel genre de dinosaure je suis en train de faire? Un T-Rex! J'adore les T-Rex! Ah, je commence à être fatigué. Je vais m'allonger là. Ah, je suis trop fatigué. Fatigué. Il y a la lettre T. Oh, ok. Je pense qu'il est temps de s'amuser. Wow! Oui! Wouhou! Venez par là! Wouhou! Vous voyez ça? Je me comporte comme une licorne! Oui! Licorne en anglais! Wouhou! Ouais! Se dit unicorn. Unicorn commence par la lettre U. Allez, on va récapituler. On a appris A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Ouais! Bien joué! Très bien, on a presque fini. Ok, la lettre suivante est la lettre V. Vous entendez ça? C'est le son d'un violon. Oui, violon commence par la lettre V. Les violons sont des instruments. Wow! Oh, quel son magnifique ça fait! Ça, ce n'est pas un très beau son. C'est le son d'un vautour. Vautour, ça commence par la lettre V. Je volerai dans les airs tel un vautour. Ouais, V est vraiment une lettre trop cool. Hey, regardez comment je marche. Oui, walk, marche, s'écrit avec un W. Marcher en anglais. Whistle. Siffler en anglais commence par la lettre W. Vous entendez? Oui, vous m'entendez? Après le sifflet, je chuchote maintenant. Chuchoter se dit en anglais whisper. Juste avant, c'était un chuchotement. Et whisper commence par la lettre W. Xylophone est un autre instrument. Xylophone commence avec la lettre X. Oui. Hey, c'était tellement fun de jouer dans ce parc de trampoline aujourd'hui. Heureusement qu'on était en sécurité, parce que quand on se casse un os, on doit passer une radio. On fait des radios grâce au rayon X. Oh! Bien, dans rayon X, on a la lettre X. Ouais! Pourquoi êtes-vous si loin? Salut! Vous m'entendez quand je crie « crier » en anglais? C'est « yell » qui s'écrit avec un Y. Hey, regarde ce cube! Oui, c'est un cube jaune! Oui, jaune, c'est « yellow » avec un Y! Oui! Wouhou! Maintenant, j'imite le zèbre. Les zèbres sont noirs et blancs. Et zèbre commence par la lettre Z. Oui, Z, la dernière lettre de l'alphabet. Wouhou! En anglais, filer se dit zip. Zip, dans le sens aller très vite, comme ça. Vous avez vu? Comme j'ai filé à toute vitesse là-bas et suis revenu aussi vite. Oh, c'était super fun d'apprendre l'alphabet avec vous. Bien, je crois qu'on va dire toutes les lettres de l'alphabet. Prêt? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Bien joué! C'était super fun d'apprendre toutes les lettres avec vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? P-L-I-P-P-I. Blippi!
Maintenant, vous connaissez bien toutes les lettres. Très bien. À la prochaine. Bye bye. Hey! Regardez dans quoi je suis arrivé! Ouais, une voiture de police! Et aujourd'hui, on va tout apprendre sur les voitures de police! Regardez un peu ça! C'est une voiture de police! Ça vous dit de venir voir comment marche une voiture de police avec moi? Ouais! Venez! Ouh! Regardez un peu cette rampe gyrophare! Là, la lumière rouge et bleu qui est là-bas! Et à propos de lumière... Wow! Voici le projecteur! Wow! 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 Ça m'éblouit! Et à l'avant de la voiture de police, c'est un pare-buffle! C'est utile pour pousser les véhicules sur le bas-côté de la route, en cas de panne. Et alors là, en bas, voici le haut-parleur! Écoutez! Vous là, dégagez de la route! C'était trop bien! Oh! Et un de mes trucs favoris par là! Le moteur! C'est d'ici que provient toute la puissance de la voiture. Oh, oh! Voilà l'huile! Vous faites le niveau avec moi? Ha! Les allergies de saison. Ok? Ouh! Regarde! Ouais! L'huile est ok pour moi. On remet la jauge en place et on ferme le capot et on va vers l'arrière. Ouh ! Regardez en bas, les roues et les pneus. Waouh ! Et regardez là, deux mots. Le premier mot est Olympia, O-L-Y-M-P-I-A. Et le deuxième mot est police. P-O-L-I-C-E. Olympia Police. Et enfin et surtout, le coffre. Il y a des trucs cool là-dessous, je le sens. Waouh! Fusée de détresse. Oh! Un pistolet radar. Et... ces cônes, même de la rubalise. On verra le reste plus tard. Mais maintenant, c'est l'heure de danser! Voulez-vous voir l'intérieur du véhicule de police avec moi? Ouais, venez! Wow! Wow! C'est l'intérieur du véhicule! Regardez ça! C'est un interrupteur, vous voyez? Je vais le pousser vers la droite. Et voici les lumières, là-haut! Wow! Elles éblouissent! Ok, je les arrête là. Elles sont éteintes.
Regardez ça! Voyez? Je viens juste de l'allumer. Ça, c'est le projecteur. Vous le voyez? Wow! Ok. On éteint ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Wow! Le super volant! Et... Ouh! Le microphone! Hello! Hello! Je vous vois! C'est Blippi! Ça, c'est fun! Et oh! En parlant de bruit et de son... Regardez ça! Ça, juste là, ce bouton! Essayons! Ouais! C'est la sirène! Ouh! Et l'ordinateur! Ouais! Wow. Ça, c'est trop cool! C'est la chanson Blippi, voiture de police! Ok! Et j'ai encore d'autres trucs fun à vous montrer par là. Venez! Je ferme la porte! Ok, venez ici! Regardez là! Ça, c'est le sac d'intervention. Il y a plein de gadgets super cool et de surprises là-dedans. Wow! Voilà les jumelles! Wow! Je peux voir tellement loin! Wow! Hey! Ok, on repose ça là. Oh! Un petit rhino! Oui, 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 oui! Wow! Ouh! Appareil photo. Ouh! Lampe torche. Hello! Hello! On peut voir dans le noir. Wow! Trousse de secours. Oh! Et des menottes. Trop cool! J'adore les menottes. Ok, on va les essayer. Elle est attachée. Oh! Et maintenant qu'on a mis les menottes, on ne peut plus les enlever. Oh! Oh! Mais heureusement... Waouh! J'avais cette clé pour menottes ici. On pousse par là. Un tour par ici. Et on les enlève. Super magique! Alors, on remet ça là. Oh! Et enfin, pour finir, tout officier de police se doit d'avoir une paire de lunettes. Ok. Là, je suis un officier de police. Hé, regardez ça! C'est là qu'on va mettre le suspect. Waouh! La porte n'a même pas de poignée dedans. Et les sièges, en plastique, c'est très inconfortable. Oh, wow. Oh, j'aime pas trop être là derrière. Et pas de poignée, c'est comme une sécurité enfant, mais pour adultes. Hey, voici un appareil qui mesure la vitesse. Ça envoie un laser qui rebondit sur la voiture et revient. Il donne la vitesse à laquelle les gens roulent. On est là sur la route pour arrêter les chauffards. Oh, en voilà un. Waouh, il va bien trop vite. Allons l'arrêter. Hello, monsieur l'agent! Monsieur, il faut que je vous parle de votre vitesse. Oh, désolé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le pied lourd? Bon, ça va aller pour aujourd'hui. On est juste là pour garder tout le monde en sécurité. Très bien, merci. En parlant de ça, on est à la recherche de cette personne. Vous ne l'auriez pas vue? Oh non! Cet homme a l'air de porter des lunettes. Moi, non. C'est vrai. Bon, je vous donne ça. Appelez-nous si vous le voyez. Ok. Bonne route. Merci beaucoup. Bye. Wow! Là, c'était moins une.
regardons ce qu'il y a à l'arrière de la voiture de police. D'un peu plus près. Oh, regardez! Voici une casquette d'officier de police. Oh, oh. Et... ouais! Un gilet de sécurité. Ouh! C'est jaune fluo. Regardez! Ouh! Ok. Un beau gilet de sécurité fluo. Comment suis? Ok. Oh! Là, j'ai mis ma casquette. Et... oh, regardez! Quatre cônes de couleur orange. Un... deux... trois... quatre! Ok. Ouh! Regardez! Une fusée de détresse. Waouh! Bien dans ma poche. Et... une herse routière. Ok. Je pose ça là. On ferme le coffre. Ok. Alors, commençons. Ouh. La herse routière. Venez voir ça de plus près. Waouh! Regardez ça. Waouh! Bien pointu. Ok. Mettons ça là, par ici. On met ça par là. Ok. Prêt? Regardez ça. Ok. On va baliser le parcours pour la voiture de police. Et la voiture va devoir bien éviter de rouler sur ça, parce que ça, c'est très pointu. Ok. On va donc prendre les quatre cônes. Et en mettre un par là. Venez. Et voyons. On va mettre le second par ici. Un, deux. Et mettons le troisième juste ici. Un, deux, trois. Et on en a encore un. Venez! Ok. Pourquoi pas ici? Prêt? Ouais! 1, 2, 3, 4! J'allais oublier! Mon truc favori, la fusée de détresse! Wow! Ok. Ça, ce n'est pas un jouet. Pas pour les petits. Alors, allons-y! Wow! Ok, on va le poser juste ici. Et c'est parti pour la course. Évité de justesse. Bien joué. C'était super fun de découvrir les véhicules de police. Là, c'est l'heure de la chanson Voiture de police. Voiture de police. Voiture de Oui, il y en a de plusieurs formes.
grâce à leur nez. Voiture de police, voiture de police, voiture de police. Vous avez des ennuis, quelqu'un est blessé. S'il y a une urgence, appelez 112 et la police arrivera en conduisant. C'était vraiment fun de chanter et danser sur la chanson « Voiture de police » avec vous. Hé, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous êtes très précieux. Vous êtes d'incroyables enfants. Je suis si admiratif de voir tout ce que vous faites pour la planète. Vous la rendez meilleure et vous aidez tous les gens. Enfin, et surtout, merci d'être mes amis. Merci. Bien, je dois y aller maintenant. Mais si vous voulez me retrouver plus tard, vous savez où me trouver. Oui, cherchez juste mon nom. Vous connaissez mon nom, hein? Oui, c'est Blippi. B-L-I-P-P-I. Blippi, c'est mon nom. Bien joué. On se voit vite. Bye. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Aujourd'hui, nous allons découvrir d'incroyables créatures et ça va être génial. Allons voir ça. Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant. Blippi. C'est moi, Blippi. Regardez où je suis. Oui, je suis dans une marina. Oui, une marina. C'est un complexe touristique où on laisse les bateaux. Trop cool. Hey, regardez. Wow. Ici, on est au centre de la vie marine à Bellingham, Washington. Et vous et moi, on va découvrir plein de cool créatures et de poissons. Ouais, j'adore ça. Wouhou, venez. Wow! Oh, hey! Qui êtes-vous? Salut, moi c'est Kazé. Qui êtes-vous? Oh, je suis enchantée, Kazé. Moi, c'est Blippi. Qu'est-ce que vous faites là? Je peins quelques-uns de mes amis de l'océan sur le plafond, ici. Wow! Ce sont des requins? Oui, bien sûr. C'est des roussettes. Oh, trop cool! C'est une très belle peinture. Mais dites, ça vous dérange si je vais explorer le centre de la vie marine? Pas du tout. Wow! Regardez cet endroit! Wow! Ça va être tellement fun de découvrir la vie marine! Oui, venez! Wow! Regardez! Oui, vous voyez ça? Ça, c'est une raie! Oui, c'est dur à voir, parce qu'elle se confond tellement bien avec les pierres qui l'entourent. Oui, un peu comme, genre, je me confonds avec cette créature, juste là. On est de la même couleur orange. La raie se confond avec les pierres. Ça s'appelle camouflage. Ouhouhou. Ça l'aide à se protéger de ses prédateurs. Ouhouhou. Wow, regardez celui-là. On dirait qu'il y a de beaux poissons là-dedans. Hello. Hey. Oh. Et il nage un peu partout. Ça a l'air d'être plutôt fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Oh, on dirait quelques algues. Quelques pierres. Ouais, quelques pierres. Kazé dit qu'il y a une anguille dedans. Elle va lui donner à manger. Ouais. Hey Blippi, tu as vu l'anguille loup? Elle se cache au fond de son antre. Parfois, si elle a faim, elle sort pour nous dire hello. Elle a l'air de ne pas être très contente, mais en fait, c'est mon amie. Elle aime les caresses sur le ventre et les friandises. Elle adore les crevettes. On va voir si elle veut bien manger.
tous ces animaux là-dedans. J'adore toutes ces créatures. Regardez. Waouh. Dans cette bassine, il y a une araignée crabe. Vous voyez? Waouh. Regardez, là, je vais enlever ce bout de varech. Waouh. La voici. Ce qui est cool avec l'araignée crabe, oui, c'est son camouflage. Oui, elle se camoufle avec ce qu'elle mange. Si elle mange des trucs qui sont marron clair, eh bien, elle va devenir marron clair elle-même. Ou si elle mange du marron foncé, comme ce bout de varech, eh bien, elle prend la couleur foncée de ce bout de varech. Wow, trop cool! Oh, là, la crevette! Hello, crevette! Tu es trop mignonne! Tu veux qu'on te caresse? Yep, et voilà. Oh! Et voilà. Trop mignonne. Hey! En parlant de ça, regardez. Waouh! On dirait pas une crevette? Oui, ça ressemble à sa carapace. Waouh! Oui, crevettes et crabes font ce qu'on appelle une mue. Ouais, quand la peau qui les recouvre, leur carapace, ouais, se détache d'eux, eh bien, oh! Ça, c'est juste la carapace de crevette qui s'est détachée de la crevette. Waouh! Regardez ces bestioles! Waouh! Ce sont deux Bernard l'ermite! Waouh! Oui, des crabes qui sont dans une carapace! Waouh! Regardez ce qui se passe quand je le prends. Il va rentrer dans sa carapace! Bien! Oh! Vous avez vu ça? Oh! Oui! Il était hors de sa carapace! Et maintenant, il est rentré à l'intérieur pour se protéger. Ok, je vais gentiment le remettre par ici. Wow! Quel aquarium! On dirait qu'il y a des crabes là-dedans. Des poissons, il y a plein de choses très cool là-dedans. Il y a beaucoup d'algues. Oh, et vous voyez tous ces poissons là au fond? Oh, les poissons! Hey, vous avez faim? Ok, regardez. Je crois que j'ai de la bonne nourriture pour poissons. C'est de la nourriture riche en nutriments pour poissons. Oui, c'est comme pour vous et moi, les légumes en fait. Super bon pour nous. Très bien. Et voilà, poisson. Très bien. Waouh! Regardez tous les coquillages. Oh, ils sont trop beaux! Celui-là est tellement gros, regardez! Oh, oh, oh! Pratiquement aussi gros que ma main! Oh! Hey! Waouh! Celui-là est très brillant! Oh! Oh! Celui-là est très piquant! Oh! Oh! En voilà un autre piquant! Et là, ce sont de petits picots! Oh! Ah, ça, c'est trop cool! Oh! Hey! Regardez! Là, c'est une peluche animale. Et cet animal en peluche s'appelle une raie. Oui! Oui! Hey! J'ai une idée! Pourquoi ne pas explorer cet endroit et voir si on peut trouver d'autres animaux en peluche? Ah! Oh! Regardez! Une tortue de mer géante! Wow! Les tortues de mer sont trop cool et tellement gracieuses lorsqu'elles nagent dans les eaux. Elle nage, elle nage, elle nage. Ah, oh, c'est trop mignon. Ok, et voilà. Oh, wow. Regardez, il y a deux saumons. On dirait que l'un a des œufs, tandis que l'autre n'en a pas. Wow, regardez-les nager. Wow, les saumons, c'est cool. Ouais, ils deviennent tellement gros. Ouais, on dirait de petits saumons dans la nature. Ok, je vais les mettre juste par là pour ne pas qu'ils tombent dedans. Wow! Un lion de mer géant! Bien, celui-là serait tout petit. Mais les lions de mer deviennent très gros et font le son... Ça, c'est trop bizarre! Oh, trop mignon! Ok, je vais te remettre juste ici. Waouh! En voilà encore une! Waouh! Un clam géant! Là! Comme une
carapace. Ouais. Waouh, regarde, il s'est ouvert. Vous voyez ce qu'il y a dedans? Oui, c'est une perle. Waouh, ah ça c'est trop joli. Waouh, tellement brillant. J'ai entendu que les perles sont créées par de l'irritation. Et je crois que c'est vrai. Waouh, là encore. Waouh, un coquillage. Ouais, ça, c'est un Bernard l'ermite. Oui, regardez, c'est un crabe. Et puis, il rentre dans sa coquille. Pour se protéger, voyez? Oui, il marche comme ça sur le sol. Et puis, il sort comme ça. Et puis, il rampe un peu. Et puis, il rentre dedans. Ok, on va te garder juste là. Et voilà. Oh! Wow! Encore une autre! Ouais, ça, c'est un poisson. Et vous voyez comme il est plat. Oui, il reste à plat et ses deux yeux sont sur le dessus de son corps. Oui, il reste juste là sur le sol, dans le fond de la mer. Et ça, c'est un flétan. Les flétans deviennent super gros! Oui, celui-là serait un petit. Ouh! Ah, ça, c'est trop mignon! Vous savez quel genre d'animal c'est? Oui, c'est l'indice. Oui, ça, c'est un hippocampe. On dirait un peu un cheval, hein? Oh, jolie petite queue, là. Et regardez ce qu'il a. Une jolie petite poche. Petit bébé hippocampe. Hey! Oh! Ah, tu as plein de couleurs. Ok. Ok, voyons. Wow! Encore un autre. Oui! Regardez! Il tue les baleines! Oui! Une orque! Waouh! Elles sont mignonnes! Waouh! Une pieuvre! Elles sont intelligentes! Oui! Et elles ont 8 longues tentacules! Waouh! Avec des ventouses dessous pour bien s'accrocher! Ok! Et voilà! Oh! Oh! Là, ce sont des baleines! Oui! Les baleines peuvent être très grosses et même massives. Et elles respirent l'air, elles font pshhh. Et elles aspirent l'air et elles plongent pour descendre sous l'eau et elles restent sous l'eau pendant très longtemps. Oh, hé, là! C'est un beluga! Waouh, c'est tellement clair, blanc! Ouais, on dirait un peu de la neige. Ouais! Les belugas adorent, en fait, nager dans les eaux hyper froides, glacées. Wouh! 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 Wow! Regardez! Hey! Qu'est-ce que c'est? C'est l'un de nos paniers de crabes. Et par chance, on a un paquet de crabes aujourd'hui. Ah, c'est clair! Ah, il y en a un de ces paquets! Et quel genre de crabe c'est? On les appelle gracieux ou crabes élancés et ils ressemblent beaucoup aux crabes dormeurs. Vous avez déjà vu un crabe dormeur avant? Ah, ils sont à peu près gros comme ça? Oui, c'est ça. Ceux-là sont presque des adultes. Wow! Est-ce qu'on peut en sortir un et le voir d'un peu plus près? Encore mieux. On va même pouvoir en prendre deux et chercher qui est le garçon et qui est la fille. Ok, ça va être fun! Wow! Regardez! Oh, nous avons deux crabes là-dedans! Très bien! Ok, comment est-ce qu'on sait si c'est un garçon ou une fille? C'est une bonne question. On me demande souvent. J'aime commencer par la femelle crabe, la fille crabe. Et on regarde sur son ventre, on la tourne bien gentiment sur son dos. Elle se calme un peu. Et on regarde si on voit un large triangle par là. Ce que n'a pas le garçon, c'est parce qu'elle va avoir des œufs dans son ventre, ici. Il lui faut plus de place, le garçon n'a pas besoin d'autant de place. Ok, donc celle-là, c'est une fille, et là, c'est le garçon. Tout compris, Blippi. Oh, regardez! Wow! Ah, c'est trop super cool! Et j'adore imiter le crabe. C'était pas super fun de découvrir la vie marine ensemble? Ouais, c'était génial! Tous ces beaux poissons, toutes ces créatures! Wow! Incroyable comme ils peuvent survivre sous l'eau! Alors que vous et moi, on vit sur Terre!
Oui, c'est très important pour vous et moi d'aider à maintenir l'eau bien bien propre. Ouais! Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous épelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Très bien! Bon, je n'arrêterai pas d'apprendre. Wouh! Hello! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, on est au parc à jeux de Amy en Pasadena du Sud, en Californie! Venez! Nous allons apprendre nos couleurs! Wouh! Wouh! Cet endroit est trop cool! Wouh! On ne peut pas passer ici sans quitter nos chaussures! Voici une chaussure et voici deux chaussures! Hey! De quelle couleur sont mes chaussures? On dirait qu'il y a du bleu, orange et du blanc. Wow! Allons-y! Wow! Cet endroit est si coloré! Oh! J'adore jouer par ici! Oh! Cet objet est plein de couleurs! Regardez cette voiture! Cette voiture est de couleur jaune et de couleur rouge! C'est parti! Trop drôle! Waouh! Qu'est-ce que c'est? Wow! C'est si doux là-dedans! Wow! Oh! Hey! Regardez ça! Clic-clac! Cette boîte a de nombreuses couleurs dessus! Oh! Il y a tant de couleurs à nommer! Allez! Continuons à explorer! Wow! Oh! On dirait un château! Et si on y entrait? Salut! Waouh! Regardez ça! Oups! Ce ballon était de couleur bleue! Waouh! En voici un autre! Ce ballon était de couleur verte! Bien joué! Waouh! Hey! Oui? Wow! Hey! Wow! Le château est super grand! Wow! Hello, en bas! Hey! Wow! Regardez ces marches! Wow! Vous avez vu ces couleurs? Regardez ces couleurs! De quelle couleur est celle-là? Ça, c'est la couleur rose! Cette couleur, juste ici, ouais, la même couleur que la barrière. De quelle couleur s'agit-il? Oui, la couleur jaune! Et juste ici, oh, on l'a déjà apprise celle-là. Ici, ici et ici, oui, elles sont toutes de couleur verte! Hey, une seconde! C'est pas l'heure de la sieste. Mais ce canapé est bien confortable. Vous savez de quelle couleur il s'agit? C'est une couleur intéressante. Cette couleur est la couleur turquoise. Wow! C'est une sorte de bleu avec du vert mélangé ensemble. Wow! Mais ce n'est pas l'heure de la sieste. C'est l'heure de faire des roulades. Wow! 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 J'adore faire des roulades! C'est trop rigolo! Il y a tellement de couleurs! Et je pense que c'est dégonflé. Comment peut-on gonfler ça? Oh! Regardez-là! Wow! Ça, c'est le moteur vert. Oui, ça, c'est vert. Et jaune. C'est parti! Wow!
connais cette couleur? Oui, c'est l'une de mes deux couleurs favorites. Oui, et ça rime avec deux. Bleu. Regardez ça. Ça, c'est la couleur... rouge. Très bien, c'est l'heure pour moi de tester le toboggan. Wouh! Et c'est parti! Wouh! Wouhou! Ouais! Ah, salut! Hey, hey! Wouhou! Et hop! Une boule de bowling! Et des quilles blanches! Wow! Salut en bas! Regardez, je suis en haut de l'escalier! Maintenant, je vais les descendre. Wow! Wow! Maintenant, je suis en bas de l'escalier. Je devrais probablement monter. Là, en haut des escaliers. Wouhou! Au revoir! C'est bien coloré ici! Waouh! Oh! J'adore explorer ces tunnels! Waouh! Ouh! Ok! Oh! Un toboggan! Ça donne envie! Oh! Ok! Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1! Oh! Waouh! Hello! Ce toboggan était super fun! C'est un toboggan rose! Waouh! Hé, hey, qu'est-ce que c'est? Ring, ring! Wow! Ring! Wow! J'adore les dinosaures! Wow! Oh, regardez ces jouets! Oh, c'est trop mignon! Hello! Hello! Hey! Comment tu vas? C'est trop rigolo! De quelle couleur sont ces dinosaures? Oui, ils sont de couleur violet et rose! Wow! Oh! Regardez ça! Oh! C'est un hélicoptère! Et il porte mes deux couleurs favorites! Oui! De quelle couleur est cet hélicoptère? Oui, il y a deux couleurs. Bleu et orange! Wouhou! Remettons ça là et allons explorer! Wow! Regardez cette voiture bleu clair! Oui, oui. Regardez cette voiture-là! Celle-là a l'air bien rapide! Oui, 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 oui. Oui. Wow! J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous! C'était super fun de jouer au parc Amy en Pasadena du Sud, en Californie. J'ai vraiment adoré apprendre toutes ces couleurs avec vous aujourd'hui. Hey, comme cette plante verte. C'était super fun. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi. Prêt? B-L-I-P-P-I. Flippy! Bien joué! Super! On se voit plus tard! Hey! C'est moi, Flippy! Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Oui! Ce sont des vélos jaunes!
Aujourd'hui, je suis à Tenino, Washington, et nous allons utiliser ces vélos jaunes pour découvrir la ville. Allons-y. Wow. Oui. Très bien. Avant de monter sur ce vélo, il va falloir que je mette mon casque. La sécurité avant tout. Et voilà. Très bien. Découvrons cette belle ville. Et si on apprenait les parties du vélo? Très bien. Vous le savez, je porte bien un casque. C'est la première partie du vélo. Enfin, ça ne fait pas partie du vélo, mais si vous voulez faire du vélo, il vous faut un casque. Cette partie, c'est le guidon. Ici, le guidon. Voyez? C'est à ça qu'on s'accroche pour faire du vélo. Et on tourne juste comme un volant dans une voiture. Et puis, la partie jaune, c'est le cadre. C'est ce qui maintient toutes les parties du vélo bien ensemble. Ça, c'est la selle. C'est là qu'on s'assoit sur le vélo. Et cette selle est bien molle et rembourrée, ce qui la rend très confortable. Ensuite, on a deux jantes et deux pneus. Et puis, en bas, ce sont les pédales. Faites-les tourner. Et la roue arrière tourne! Regardez! Elle tourne bien? Oh! Et sur ce modèle-là, les pédales servent aussi de frein. Prêt? Regardez! Si on va en avant, comme ça avec la pédale, oui, dans le sens inverse d'une montre de votre côté, et puis dans le sens d'une montre de mon côté. Donc, si vous avancez en pédalant vers l'avant, le vélo avancera. Mais si vous pédalez vers l'arrière, dans ce sens, alors le vélo s'arrête. Certains vélos ont des freins au guidon, juste là, mais pas celui-là. Et là, ici, c'est une petite plateforme pour les courses. Pizza, ou les légumes, ou... Allez savoir. Très bien. Bon, il va falloir que je remette mon casque pour repartir à la découverte de cette jolie petite ville. Très bien. Allons-y. Oh, oh, vous voyez comme ça roule bien sur l'herbe? En fait, c'est fait pour les trottoirs, les routes et les passages bien tranquilles. C'est un vélo de ville. Mais ils font d'autres sortes de vélos, comme les VTT. Wow, 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 wow. Ah, c'est bien mieux pour aller sur les terrains difficiles comme ceci. Oui. Oh, 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 oh. Ok. C'est un lac de la carrière. Hey, je vais vous montrer à quoi ça ressemble là-bas. Waouh! Là, c'était une colline géante qui venait jusqu'ici. Mais les gens, il y a très longtemps, l'ont creusée. Ça fait près de 100 pieds, environ 33 mètres de fond. Donc, on ne peut pas toucher le fond. Waouh! Waouh! En fait, on peut nager dans cet endroit. Waouh! Et la cascade par là-bas! Oh, c'est vraiment un endroit fun pour nager.
Oh 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 oh, je crois que mon vélo est cassé. Oh oh, oh. Hey, parfait. Cette ville a des supports vélos avec plein d'outils dessus. Trop bien. La première chose à faire, c'est de monter le vélo là-dessus. Oh, parfait. Oh, oh. Ah, regardez. Wing, comme s'il faisait un wheeling. Wing, wing. Très bien. Arrêtons de jouer. Il faut se mettre au travail pour le réparer. Regardez ça. On dirait qu'on a quelques clés Allen. Oh. Et puis, on a un tournevis plat. On a un tournevis qu'on appelle cruciforme. On a même une clé. Il y a des tas d'outils. Mais je pense que le problème vient du pneu qui est à plat. Donc, on dévisse ça et c'est par là qu'on peut gonfler un pneu. On le met juste là. Et puis, vous voyez, avec ça, on va pomper. Ah, parfait. Je crois que là, on est prêt à y aller. Wouhouhou ! Hey, je crois que c'est le bon moment pour la chanson Outils. Tu vas voir les outils. Oui, les outils. Ça fait tout plein de bruit. Tu vas voir les outils. Oui, les outils. Ça fait tout plein de bruit. La clé sur les tuyaux, ça fait clang clang. Le clou et le marteau, ça fait bang bang bang. Les trous de la perceuse, ça fait zzz, zzz. Tu vas voir les outils, ça fait tout plein de bruit. Tu vas voir les outils, oui les outils. Ça fait tout plein de bruit. Tu vas voir les outils, oui les outils. Ça fait tout plein de bruit. Ça couine, ça grince et ça craque. Tu vas voir les outils, ça fait tout plein de bruit. Ça fait bang et boum, clang et zing. Tu vas voir les outils, ça fait tout plein de bruit. La pince qui coupe les câbles, ça fait quick quick. Et les ciseaux sur le papier, ça fait clic clic. Mais avec les outils, il faut faire attention. Et surtout bien protéger ses mains et sa vision. Alors les enfants, si vous voulez tenter, écoutez ce que disent papa et maman. Tu vas voir les outils. Oui, les outils. Ça fait tout plein de bruit. Tu vas voir les outils. Oui, les outils. Ça fait tout plein de bruit. Ça couine, ça grince et ça craque. Tu vas voir les outils. Ça fait tout plein de bruit. Ça fait bang et boum, clang et zing. Tu vas voir les outils. Ça fait tout plein de bruit. Oh oh oh, regardez, la boutique de sculptures sur pierre pour acheter des sculptures. Oh, hey, qui êtes-vous? C'est quoi ton nom? Wyatt. Wyatt, qu'est-ce que tu fais ici? Je sculpte la pierre. Sculpture sur pierre. Wow, ok, donc tu prends le ciseau. Puis tu prends le maillet et tu tapes dessus. Ouais. Comme le marteau et le clou. Et voilà. Oh, 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 regardez. Ouais. Très bien, à ton tour. Oh, tu veux le colorier? Ouais. Très bien. Je vais prendre du rouge. Waouh! Ça, c'est trop génial! Je peux aller voir la boutique? Bien sûr! Ah, très bien, allons-y! Ça va, vous deux? Oh, très bien. Fait très beau aujourd'hui. Ouais! Quels sont vos noms? Mon nom est Ian Williams. Je suis le père de Wyatt, juste là. Je suis Kiss. Oh, c'est vraiment cool! Oh, je suis enchanté. Dites, est-ce que vous pouvez me faire visiter? Bien, alors, on a plusieurs choses sur le mur ici pour nos clients.
Je parie que Wyatt et son équipe ont sculpté tout ça. Dans la pierre, avec ce maillet et des pointes en métal. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Wow, regardez, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une pomme, mais c'est en fait sculpté dans la pierre. Oh, c'est vraiment cool. Bon, continuons à découvrir la ville. Oui. On est à la caserne des pompiers! Vous savez quel genre de véhicules sont dans les casernes de pompiers? Oui! Ils ont des ambulances, des camions de pompiers! Hey! Regardez! Wow! Ils sont trop cool! Wow! Oh! Ce sont de vrais camions de pompiers, là! Oh, hey, venez! Qu'est-ce que vous faites? On nous a appelés sur un feu. Oh, on vous a appelé sur un feu? Quelqu'un a besoin d'aide. Je peux venir avec vous sur le feu? Bien sûr, Bibi. Ok, très bien. Ce qui veut dire qu'on va aller aider quelqu'un. Et qu'on va devoir partir sur un feu. Hey! Tout d'abord, la sécurité. Il faut bien s'attacher. Très bien. Maintenant que je suis attaché, je vais tout préparer pour pouvoir partir sur le feu. Je vais commencer par le mettre en marche. Et ensuite, je vais pouvoir tirer là-dessus pour relâcher les freins. Maintenant, on peut avancer. Très bien. Allons sauver ces gens. Très bien. Je suis sûr qu'ils ont besoin de notre aide, alors allons-y! Vous avez déjà vu une voiture de police, mais là, c'est un pick-up de police. Très bien. Je vais garer ce truc sur l'herbe juste ici. Très bien. Maintenant, découvrons le reste de la ville. Waouh! Vous vous souvenez des vélos jaunes? Très bien. C'est un bon moyen de voir la ville et ça aide l'environnement. Ok, allons-y. Attendez une seconde. Pourquoi je ne bouge pas? Oh! Juste par ici. D'accord. C'est parti. Salut, Blippi. Oh, 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 oh. C'était le maire. C'est génial. C'est parti. Oh, 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 oh. Wow. C'était super fun, cette aventure à vélo avec vous dans Tenino, Washington. Ils ont vraiment une ville super cool ici. Et c'est vraiment trop bien qu'ils aient ces vélos jaunes à disposition. Et gratuit! Ça, c'est génial! Bien, c'est la fin de cette vidéo, mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom! Vous appelez mon nom avec moi? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bien joué! Très bien! À la prochaine! Bye bye! C'est moi, Blippi! Aujourd'hui, je suis au centre du Synapse Circus à Auburn, Washington. Waouh! Regardez cet endroit! Il y a tant de couleurs!
Et c'est là que les enfants peuvent venir apprendre le cirque. Oh, hey, qui êtes-vous? Je suis Coach Crystal et je vais vous apprendre quelques trucs de cirque. Ouais, je suis trop impatient. La première chose à faire, c'est de quitter vos chaussures. Ok, je vais quitter mes chaussures. Ok, et voilà, une chaussure et deux. Bien, j'ai quitté mes chaussures. Maintenant, on peut apprendre. Ouh, regardez cet endroit. C'est trop cool. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs cool par ici. Waouh! Oui, il y a des balles de jonglage. On verra ça plus tard. Des plumes. Ah, qu'est-ce que ça vient faire là? Ah, c'est trop bizarre. Waouh, regarde. Des fils tendus. Ah, j'ai trop hâte d'être en équilibre là-dessus plus tard. Waouh, un trampoline. Ça rebondit bien. Ah, j'ai trop envie de sauter dessus. Mais c'est probablement mieux d'attendre d'être bien échauffé. Oui. Wow, regardez. On dirait une barre pour faire des tractions. Wow. Oh, un tissu aérien. Wow. De quelle couleur est-il? Oui, ça, c'est la couleur violet. Oh, et par ici? Encore un autre. Et là, c'est la couleur jaune. Ok, assez joué. Échauffons-nous. On va s'étirer et ça va être fun. Oh, hey! Hey, Blippi, vous êtes prêt pour l'échauffement? Oui, je suis prêt. Très bien, on va courir jusqu'au mur bleu et puis on va revenir en arrière pour bien chauffer le corps avant d'y aller. Ok. Prêt? C'est parti! Regardez comme je cours! Bien, faisons nos cercles au centre de la piste. Ok. Cercle de bras. En arrière, il faut que les bras soient bien prêts pour se pendre au tissu aérien et au trapèze. Bien. Wow. Et puis en avant, comme pour nager. Ok. Et regardez, je fais des grands cercles avec mes bras. Très bien, asseyons-nous en papillon. Les orteils bien ensemble pour faire le papillon. Ouh, regardez, je bats comme un papillon. Oui, les papillons sont d'abord des chenilles qui vont se métamorphoser. Ensuite, elles deviennent de magnifiques papillons. Ok, ferme tes ailes, mets-les à plat et on va s'envoler jusqu'à la lune. Les orteils. Prêt, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! On va le faire encore une fois. Cette fois, on commence à 3, 2, 1, c'est parti! Magnifique papillon! Très bien, allez-y, relevez-vous. Vous êtes assez chaud. Ouais. Très bien, on va faire quelques trucs de cirque. Wouhou, c'est parti! Oh, ça c'était trop bien! Vous avez vu comme elle sautait haut? Ouais! Oh! Regardez ce qu'elle peut faire! Ha! C'est super cool! Que les enfants puissent venir là et apprendre le cirque! Wow! Regardez! Oh! Elle fait du tissu aérien et elle en fait trop bien! Regardez! Oh! Regardez cet endroit! Il est trop cool! Vous voyez ces grandes feuilles de papier derrière moi? Oui, il y a des trucs écrits. Oui, des objectifs. Et lorsqu'ils sont accomplis, on peut inscrire son nom sur le tas. Regardons ça. Renversement aérien. Wow! Ça veut dire que tous les gens qui ont leur nom là ont réussi ça! Comme Neil, Alissa, Jonah, Zoé. Wow! Bien joué! Wow! Voyons quoi d'autre. Wow! Roues, jambes tendues. Wow, c'est dur. Mais regardez tous les gens qui l'ont fait. Wow, c'est trop cool. Oh, passing si massue. Wow, ça doit être dur. Oui, pas une personne ne l'a réussi. Wow, ça c'est dingue. J'ai une idée. Je vais choisir l'un d'entre eux et tenter de le faire aujourd'hui. Ça va être super fun! Oh, et voilà. Debout, sans les mains. Roulade avant. Oh, ça c'est fun. Comme un saut, mais à la fin, quand on se relève, on ne se sert pas de ses mains. Oui, je crois qu'on va tenter ça. Ça va être super fun!
Lilo, allez écrire votre nom sur le tableau, là. Oh, vraiment, c'est trop génial. Oh, oh, oh. Oui. Oh, 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 oui. Ok, et voilà. Maintenant, je vais écrire mon nom. P-L-I-P-P-I. Blippi. Wow, c'était trop fort. Oui. Regardez cet endroit! Ah, il y a trop de super cool trucs! Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Waouh! On dirait un arc-en-ciel! Oh, oh, oh! Là, on a du violet. Waouh! Des anneaux violets! Oh, 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 oh! Regardez! Et puis, là, des anneaux bleus. On a des anneaux verts. Puis, des jaunes. On a des anneaux rouges, un peu orange, mais disons qu'ils sont rouges. Et on a des anneaux roses. Wow! C'est trop cool! Il y a tellement de couleurs! Hey! Quelle est cette forme? Oui, un anneau est un cercle. Regardez! Wow! Peut-être que je peux jongler avec ça. C'est parti! Oh, 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 j'ai sanglé! C'est trop fun! Regardez, on peut même faire rouler sur le bras! Oh! Et si je tentais de faire ça avec plusieurs? Ah, je suis sûr que ça va être trop cool! Prêt? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. C'est cool! Regardez ça! On dit faire sauter la crêpe! On peut s'entraîner en faisant comme ça. Oui. Essayez de le retourner. Regardez. Oui, je l'ai fait. Ok, je vais les remettre là. Sans oublier ça. Ok, maintenant qu'on a tout bien rangé et remis en place, peut-être qu'on peut prendre d'autres choses. Wow. Comme ça. Ça, ça ressemble à des plumes de paon. Wow! Les paons sont trop jolis! Avez-vous déjà vu un paon? Wow! Oui! Leurs ailes peuvent faire la roue. Et ils ont l'air tellement gracieux. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette plume de paon et chercher l'équilibre. Ok, je la pose sur mes doigts. Wow! Regardez! Ouais, j'équilibre, j'essaye de ne pas la faire tomber sur le sol. Oh! On peut faire ça tout en restant au même endroit. Ou encore, faire la même chose tout en bougeant. Oh! Wow! Ah, ça c'est dur. Ah! Oh! Regardez ça. Prêt? Je vais tenter de le mettre sur le nez. Oh! Oh! Ah, ça c'est de l'équilibre. Wow! 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 Ah, c'est trop bizarre! Wow! L'équilibre, c'est super fun! Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, je crois qu'on a... Oh, 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 des tiges! Et on a... des assiettes! Combien d'assiettes j'ai pris? Oui, une, deux, trois assiettes. De quelle couleur sont-elles? Oui, bleu, rouge, oui, et jaune. Ok, prenons la bleue, qui est l'une de mes deux couleurs favorites. On la fait tourner. Oh, et voilà. Ouais! Vous voyez, elle tourne en équilibre. Ouais,
Hé, elles sont en plastique. Il ne faut surtout pas tenter ça chez vous, avec vos assiettes. Car si elles tombent, elles cassent. Wow! Ouais, ça, c'est de l'assiette de cirque. Tourne, 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 tourne. Prêt? Wow! Oh, je vais réessayer. Wow! Vous avez vu? Et voilà! Oh! Ok, je vais m'arrêter là. Ok, je vais tout ranger et voir ce qu'il y a d'autre. Wow! Regardez ça! Il y a plein de balles de jonglage! Oui! Eh, vous le savez, j'adore jongler, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Wow, il y a tellement de couleurs! Regardez ça! Celle-là me rappelle une abeille. Oui, les abeilles sont top! Car elles font du miel. Miam, j'adore le miel. Ok, on dirait que c'est rouge et noir. Et bleu et blanc. Vert et noir. Ok, je vais garder trois de ces balles. C'est trois. Très bien. Prêt? Je me mets sur les genoux et je vais jongler. Wow! Jongler, c'est super fun! Ah, c'est pas si facile! Wow, 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 wow! Mais avec beaucoup d'entraînement, on peut faire plein de trucs cool. Ouais! Très bien, regardez! Ah, je vais jongler avec toutes ces balles. Prêt? Ok, là, je crois que ça va être bien bizarre. C'est parti! C'était bien débile! Très bien, on va ramasser tout ça. Très bien, voyons ce qu'il y a d'autre par ici. Wow, regardez! Des cerceaux! Ouais! J'adore les cerceaux! Ouais! On va en prendre plusieurs. Très bien, venez par ici! Wow! J'ai pris 3 cerceaux. Ouais. Et de quelle couleur sont ces cerceaux? Oui. Celui-là est orange. Jaune. Rouge. Waouh. Hey, trop cool le cerceau. Oui, celui-là. Ouais. Et bleu et argent brillant. Waouh. Et ta couleur favorite? Oh! Ah, c'est une belle couleur! Mes deux couleurs favorites sont bleu et orange. Celui-là? Oui! Et de couleur violet et argent. Brillant, pailleté. Oui! On prend celui-là! Bien, je vais essayer de le faire tourner sur mon bras. Oh! Ouais! Oui! Et regardez ça. Ouais. Très bien. C'est parti. J'ai une idée. Maintenant qu'ils sont par terre, je pense on va bien les répartir et sauter de l'un à l'autre. Ouais. Très bien. On fait comme la grenouille. Bribib. 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 Bien joué! Wouhouhou! Ça a été super fun d'apprendre tous ces trucs de cirque! Oui! Wouhou! Regardez ça! Ouais, vous vous souvenez? Ça, c'est un fil tendu. Oh, oh! Ouais! Vous et moi, on va tenir en équilibre là-dessus. C'est hyper dur, car il est tout fin. Wow! Très bien, on essaye. Très bien, montez là sur cette plateforme et puis on va se faire très grand et regarder bien devant. Très bien. Ok, je vais rester juste là en cas de chute. Ok, parfait, c'est parti! Wow! Wow! Oh, 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 tombé. C'est ok, je recommence.
C'est parti! Oh, encore tombé! C'était trop fun quand même! Très bien, je retente pour la troisième fois. On y va! J'ai compris! Wow, regardez! J'y arrive pour de vrai! Oh, 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 ouais! Oui, je l'ai fait! Vous avez vu? Oui, c'était hyper dur! Mais ça fait du bien d'accomplir un truc qui était extra dur! Bien joué! Ok, d'abord, je vais commencer par rouler. Et voilà! Wow! Très bien, maintenant, pour l'équilibre... Wow! Wow, 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 wow! Maintenant, marche sur les mains. C'est parti! Oh, 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 oh. Ouais! C'était trop super fun! Ouais! Mais c'est la fin de cette vidéo! Si vous voulez voir d'autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est chercher mon nom. Vous voulez épeler mon nom avec moi? Prêt? B-L-I-P-P-I!